2, 1, 0. 0. Alors, je vais vous donner un petit cours de trompette. C'est facile. Pour pouvoir faire de la trompette, il faut une trompette. Mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose qu'on appelle une embouchure. L'embouchure, c'est ce qui se met ici. Et alors, voilà comment on tient la trompette. C'est-à-dire qu'il y a les doigts qui viennent ici pour tenir les coulisses. Ça, c'est un truc un peu particulier, je vous le dirai à la fin. Puis on tient la trompette comme ça. Et là, comme un piano. Comme un piano, les doigts viennent se poser sur les pistons. Ensuite, il faut poser les lèvres. Comme ça. Faites comme ça, papa. Voilà. Non, plus. Voilà. Et ensuite, vous posez. Enfin, au centre. Pas là. Vraiment, là. Et puis, vous soufflez. Alors, au début, quand vous soufflez, ça fait ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Et ça dépend. Il y a des gens qui arrivent très rapidement, d'autres qui mettent des mois. Et on finit par avoir ça. Et une fois qu'on appuie sur les touches, ça change les notes. Alors, en fonction des combinaisons des notes, on décide de jouer une mélodie. Je vais faire une mélodie que normalement tout le monde connaît. Connaissez. Alors, ce quatrième piston, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un truc un peu particulier, ça c'est mon père qui a inventé ça. Ça permet de jouer les quarts de ton. Alors, qu'est-ce que c'est les quarts de ton? Par exemple, si je fais. Il n'y a pas de quart de ton, là c'est très occidental. Mais si je fais à l'oriental, comme mon père, Nassim Maalouf, qui a inventé cette trompette, faisait, ça ferait ça. C'était l'idée de mon père de rendre oriental le nashid l'ouattara libanais. Voilà, voilà comment vous pouvez jouer de la trompette. Donc pour finir, on finit en musique.